Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Finity. Alors de quoi allons-nous parler? D'abord, allons ouvrir une image. Alors, fichier. Search. Voilà, c'est une belle image que je mettrai bien sûr, si vous voulez, dans la description. Alors, si on va voir ici dans les filtres et les modules, vous voyez, je n'ai que Gmic. Pour ceux qui l'ont aussi. Et si on veut s'aperçoit qu'il existe d'autres plugins qui peuvent être très intéressants, donc allons voir cela qui se trouve ici, qui est le plugin Nick Collection. Un fabuleux logiciel qui permet des retouches d'images. Mais on s'aperçoit aussi que le prix est quand même à 100 €. Maintenant, c'est ce que je dis, libre à vous. Donc, j'ai fait un peu de recherche par rapport à ça. Et je suis tombé ici sur Rocco Design, qui est un YouTuber, qui donne la possibilité de télécharger Nick Collection Full Version by Rocco. Mais vous voyez qu'ici, c'est pour Photoshop. N'ayez crainte, j'ai testé, ça fonctionne. Naturellement, je vais vous montrer aussi les petites différences qu'il y a. Donc, je vais faire la même procédure que vous, comme ça vous voyez. Vous avez bien vu que chez moi, je ne l'ai pas dans mon Affinity Photo. Donc, on va télécharger. Donc, vous allez faire la même procédure que moi. N'ayez crainte, j'ai essayé auparavant, ça fonctionne, il n'y a pas de virus. Donc, vous cliquez sur « Download ». Voilà. Alors, il va ouvrir une petite page. Il dit « Impossible de prévisualiser le fichier, il se peut que vous soyez hors connexion ou soit limité ». Essayez plutôt de procéder à un téléchargement. Donc, je fais télécharger. Là, il me dit que Google Drive ne peut effectuer d'analyse d'un virus de ce fichier, enfin, antivirus. N'ayez crainte, j'ai testé. Je fais télécharger quand même. Qu'est-ce qui va se passer? Il va me mettre dans mes dossiers de téléchargement. Voilà, pendant ce temps-là que vous faites ça, allez vous servir un petit café. Voilà, je laisse faire. Vous voyez, c'est un dossier zip. Donc, on laisse faire. N'ayez crainte, ça ne va pas durer des heures. Sinon, j'aurais coupé et j'aurais accéléré. Mais vous allez voir, ça va encore assez vite. Donc, voilà. Laissez couler bien votre café. Vous revenez à votre aise. Et vous allez voir que c'est un plugin qui peut être très, très intéressant. En plus, avec cette variante, c'est gratuit. Donc, naturellement, ça n'a pas toutes les possibilités qu'il y a avec la version officielle de Nick Collection. Il y a plus de paramètres, glisser des images dedans. Donc voilà, mais vous allez voir quand même que c'est très très intéressant. Donc je fais ici afficher le dossier. Voilà, il se met ici dans mon dossier téléchargement. Là, je fais un clic droit dessus et je fais extraire vers Nick Collection Full Version by Rocco. Oups. Voilà, je laisse faire l'extraction. Voilà qui est fait. Je fais un double clic dans le dossier qui vient de s'ouvrir. Je fais un clic droit ici dans Nick Collection Full, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. J'accepte. Petite fenêtre va s'ouvrir. Voilà, on laisse faire. Voilà, on dit en français, OK. On fait suivant. On ne touche à rien. J'accepte. Vous cherchez votre dossier d'installation. Moi, je ne le laisse pas dans le C, sinon ça mange encore ici, je vais dire, la capacité mémoire. Donc, je le mets ici dans une autre partition qui est dans mon disque D, dossier programme. Voilà, je fais suivant. Je fais installer. Libre à vous de chercher votre dossier. Si vous voulez mettre dans le C, vous le mettez dans le C. Voilà, voilà, voilà. On laisse faire. Là, c'est le temps de boire votre petit café. On laisse faire, vous allez voir, très intéressant. Ça vaut la peine. Maintenant, s'il y a des gens qu'on a possibilité de voir aussi, ici avec Affinity, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, via GIMP, je n'ai pas encore été voir. S'il y a des gens qui ont déjà une idée, moi, je suis là, je suis preneur.
pour le partager par la suite avec vous, s'il y a des gens qui connaissent la procédure. Donc, je ne sais pas. Donc, mais ici, voilà, on est sur Affinity. Et, mais je montrerai aussi, parce qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes avec Gmic, pour l'installation de Gmic sur GIMP. Donc, on verra tout ça dimanche, avec la mise à jour qui a été avec GIMP. Donc, revenons maintenant ici sur Affinity et Nick Collection. Donc, voilà, nous fermons. Voilà, ceci, je peux fermer. Ça, je peux fermer. Ceci aussi. Ceci aussi. Je mettrai de toute façon toutes les pages dans la description. C'est-à-dire avec... enfin, voilà, tout ce que vous aurez besoin. Donc, je retourne ici dans mon Affinity. Alors, si je viens dans Filtre, je vais dans Module, ben, j'ai toujours rien. Donc, pour cela, je vais dans Édition, et je vais dans Préférences. Je vais dans Module Photoshop. Voilà. Vous voyez que j'ai toujours ici le Gmic. Alors, que faire? Vous cochez bien autoriser l'utilisation de modules inconnus, ce qui était pour Gmic. Mais par contre, ici avec Affinity, enfin le Nick Collection, vous allez voir que je cliquez sur Addition. Vous allez chercher. Vous voyez, moi j'ai été bien mis dans le dossier D, comme je vous ai dit, dans Dossier Programme. Je regarde où est-ce qu'il a été installé. Et vous voyez qu'il est là, Nick Collection. Donc je clique ici simplement sur le dossier et je fais sélectionner un dossier. Vous voyez, il est bien mis ici. Au moment où je vais fermer, il y a une petite fenêtre avec un message. Redémarrage requis. Vous acceptez. Oui. Donc voilà, il va me redémarrer mon Affinity qui est là. Voilà, 2 secondes. Donc voilà, désolé, je reviens. J'avais juste un petit coup de téléphone. Donc voilà, je fais fermer. Si je maintenant je viens dans Filtre, je regarde Module, et vous voyez que j'ai Gmic et Nick Collection avec toutes les possibilités que j'ai de travailler dessus. La plus belle preuve, si je vais dans Édition et Préférences, voilà, je fais Module. Vous voyez, ils sont tous là. Donc c'est pas des fichiers inconnus, mais bien Working, il est en mode travail. Donc ils sont tous là. Donc je fais fermer. Maintenant, allons voir justement de quoi il s'agit. Ouvrir une image. Voilà. Et allons ouvrir ce fameux plugin. Filtre, Module, Nick Collection. Je vais en prendre, je vais en essayer 2 avec vous. Après, vous faites bien à votre aise. Vous allez voir. Faites cela bien à votre aise. Donc je vais prendre ici, par exemple, Color Effect Pro 4. Une fenêtre va s'ouvrir. Voilà. Je l'agrandis ici. Alors, qu'est-ce que cela va donner? Vous allez voir toutes les possibilités. C'est énorme. Ici, vous voyez que j'ai une image en noir et blanc. Mais vous voyez ici toutes les possibilités que j'ai. Maintenant, vous me dites, oh, il n'y a que ça. Oui, mais attendez. Vous voyez qu'ici, je suis en mode black and white, conversion. Si je clique ici sur le petit dossier, il va me donner toutes les vignettes qui sont par rapport à mon image de noir et blanc. Vous voyez, je peux prendre celle-là, je peux prendre celle-là, je peux prendre celle-là. Mais vous pouvez encore jouer ici avec ces paramètres. D'accord? Ce qui est important. Je peux revenir ici. Voilà, là je peux prendre par exemple maintenant en color. J'ai une image color. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a comme vignette par rapport à ça. Je clique dessus. Vous voyez, j'ai déjà ceci, j'ai cela, j'ai cela, j'ai cela, j'ai cela, j'ai cela. Et je vous dis encore, vous avez toujours la possibilité, vous voyez, de jouer avec les paramètres qui sont sur la droite. Donc, je reviens ici. Soit vous pouvez cliquer sur la flèche, vous avez d'autres fonctions, vous voyez. C'est de l'infini, hein. Donc là, je peux revenir précédent. Vous allez chercher n'importe lequel. Voilà, je ne sais même pas ce que c'est, en fait. C'est ça, si je vais chercher... Ouais, donc il y en a d'autres. Vous voyez que c'est quand même assez vaste. Parce qu'ici, vous voyez, j'ai tout. Vous pouvez prendre rien que nature, rien que portrait, que voyage. Vous sélectionnez tout.
Je ne vais pas tout vous montrer. Vous voyez déjà les possibilités avec ici, en cliquant sur Beach, je ne sais pas, voilà, je vais prendre ça par exemple. Vous avez ceci, encore différent, oui. Totalement différent. Et en plus que vous savez travailler sur les paramètres qui sont là. Ça, c'est une des fonctions. Donc, elle est déjà quand même assez énorme. Alors, il y en a une qui est pas mal. Donc, je vais annuler. Je vais reprendre une autre. Je vais prendre en filtre. Je retourne dans module. Nick Collection. Et je vais ici dans Viveza 2. Et dans la version officielle, c'est Viveza 3. Donc, à mon avis, il y a plus de possibilités. Mais vous allez voir qu'ici, avec rien que la fonction ici qui est gratuite, vous avez déjà vu qu'il y a déjà pas mal de trucs. Hein. Donc, je clique ici. Voilà. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Alors, qu'est-ce que cela permet? Vous voyez qu'ici, sur la gauche, je n'ai rien, par contre. Mais j'ai des paramètres qui se trouvent ici. Alors, j'ai déjà une fonction qui me permet de travailler sur la luminosité. Vous voyez? Je regarde qu'est-ce que j'ai comme réinitialiser. Là, je réinitialise. Alors, qu'est-ce que ça me permet aussi? Mais vous voyez que, ici au-dessus, j'ai ajouté un point de contrôle. Si je clique ici dessus, voilà. Et que je vais, par exemple, ouais, je peux aller ici à l'intérieur. Vous voyez, j'ai ici tous des petits contrôles qui peuvent se faire. Ça me donne quoi? Ben, si je viens ici, sur le petit pictogramme qui se trouve là, et ça met en blanc. Ça met en blanc, quoi. Mais ce que je veux sélectionner, je peux agrandir ou je peux simplement localiser une partie. C'est là, par exemple, que je peux déplacer. Oui, je peux la déplacer où je veux. Hein. Je peux la mettre sur la toiture, par exemple. Ou bien juste ici. Allez, on va laisser sur la toiture, par exemple. Voilà. Donc, je peux revenir ici et remettre en couleur. De là, je peux jouer sur la luminosité. Luminosité de quoi? Mais uniquement du point que j'ai sélectionné. Donc, ajouter un point de contrôle. Mais là, je l'ai bien vu avec le blanc que j'ai fait apparaître. Donc là, je peux, vous voyez, si je augmente la luminosité, vous voyez, ce n'est qu'au niveau de la toiture, vous voyez. Qu'est-ce que je peux encore faire de cela? Mais je peux travailler sur, par exemple, ici, des couleurs. Vous voyez, j'ai simplement cliqué ici pour ouvrir petits paramètres supplémentaires. Donc là, je peux changer la chaleur, le réglage des ombres. Vous voyez, vous le voyez bien en fait. Hein. Je peux sélectionner par exemple, vous voyez, du rouge qui apparaît. Vous voyez, qu'est-ce que cela me permet? Mais si je vais prendre par exemple un autre bouton de contrôle ici, celui-là. Je viens ici, je regarde, je vais regarder si j'ai besoin d'autant. Donc, ouais, ça c'est pour donner les couleurs ici, pour les supprimer et revenir pour travailler sur le blanc. Oui, j'ai ça, donc je regarde si j'ai... Je peux laisser ça comme ça, ok. Je reviens dans les couleurs. Là, je vais cliquer pour avoir apparaître les couleurs. Et là, je vais faire apparaître le rouge, par exemple. Oui. Pas mal, hein? Vous pouvez encore jouer avec le vert, la chaleur, la teinte. C'est tous des petits exemples. Cela vous intéresse, par exemple? OK. Vous pouvez, par exemple, de nouveau remettre... ici, là, et je vais dupliquer celui-ci que je prends et je peux le mettre ici par exemple ou vers le haut. C'est tous les exemples que je donne. Voilà, vous faites OK, ça va travailler. Vous voyez, c'est tous des petits exemples. Voilà, je vous laisse libre choix. Vous voyez que vous avez beaucoup de possibilités
Amusez-vous, c'est le but. J'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Maintenant, si vous voulez prendre la version officielle de 100 €, ouais, bien sûr, laissez-vous aller, ça fait plaisir. Et sinon, vous avez ici la petite version gratuite qui donne quand même pas mal de possibilités. Voilà, et vous voyez que ça fonctionne. Un grand merci à vous et à très très bientôt pour un nouveau tuto. Grand merci à vous.